Coucou à tous, bienvenue dans ma cuisine, j'espère que vous allez très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. La recette que je vais partager avec vous aujourd'hui, ça sera comment faire du jus de passion. Je vais vous montrer les ingrédients que vous aviez besoin. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles recettes. Hello everyone, welcome back to my kitchen. I hope you are doing good. Today, the recipe that I'm going to share with you is how to make homemade passion fruit juice. I'm going to show you the ingredients that you will need to make this juice. Please don't forget to subscribe into my YouTube channel. Please subscribe and activate the notification bell to don't miss any of my new video. I'm going to show you the ingredients that you will need for this juice. Voici les ingrédients que vous aviez besoin pour réaliser le jus de passion. Il vous faut 5 à 6 cuillerées de sucre. Il vous faut des feuilles de menthe pour la décoration. Il vous faut 6 fruits de passion. Il vous faut 2 citrons, que ce soit du citron vert ou du citron jaune. Utilisez le citron que vous voulez. Il vous faut... Ensuite, 5 à 6 gousses de gingembre. Il vous faut 1,5 litre d'eau. Vous aviez besoin du mixeur, un saladier et puis une passoire pour tamisser. Donc, on va commencer la préparation du jus de passion. This is the ingredient that we need for this passion fruit juice. You are going to need 6 passion fruit, 5 or 6 spoon of sugar. This is ginger. I have here a 5 ginger. You can use more if you like. And then few mint leaves. You are also need 2 lime juice. I'm going to use only the juice of the lime. You can use like lemon if you like, but I'm going to use lime juice. And then you also need 1.5 liter of water, salad bowl. You need a blender. Donc I'm going to start making this juice right now with you. I'm going to start making the passion fruit juice. I'm going to cut the passion fruit into two like this and then take the fruit. Il faut découper le fruit de passion et puis enlever, récupérer tout ce qui est à l'intérieur. Tout enlever. You need to take all the fruit out. Je vais enlever la peau du citron. I'm going to take all the skin. I'm taking all the skin of
de l'ail. Je suis en train d'enlever la peau du citron. Cut in small pieces and then add into the blender. Il faut découper un petit morceau et ajouter dans le mixeur. Je vais ajouter ensuite le gingembre. I'm going to add the ginger into the blender. Ajouter ensuite le gingembre. Je vais découper. I'm going to cut the small piece. Ensuite, ajoutez un peu d'eau and then add a little bit of water. Il faut fermer. Close the lid and then blend. Et écraser. Tamiser. I'm going to sieve. Il faut bien tamisser. You need to sieve well and then take all the juice as you can. Ensuite, je vais ajouter le fruit de passion dans la passoire. I'm going to add the passion fruit into the sieve and then add water. I'm going to add water, a little bit of water, and then take all the juice. Il faut bien récupérer le jus, il faut tamisser. Il faut bien. Après avoir fini de tamisser, je vais ajouter le sucre. I'm going to add the sugar. Il faut remuer et puis goûter voir. Mix all and then test if there is enough sugar. Et puis servir. Servir. This is my homemade passion fruit juice. C'est du jus naturel fait maison à base de fruits de passion. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles recettes.
Si vous abonnez, il faut activer la cloche de notification. Sinon, si vous n'activez pas la cloche de notification, si je publie une nouvelle vidéo, vous n'allez pas voir directement. Mais si vous activez la cloche de notification, quand je publie une nouvelle vidéo, vous allez voir très rapidement. Il faut activer la cloche de notification pour ne pas manquer des nouvelles recettes. N'oubliez pas de liker. Et voici mon jus de passion fait maison. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer des nouvelles recettes. This is my passion fruit juice, homemade passion fruit juice. Don't forget to subscribe into my YouTube channel. Please subscribe and activate the notification bell to don't miss any of my new video. Merci de regarder la vidéo. N'oubliez pas de liker aussi. Thank you for watching. Don't forget to like. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye.